et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne Mille aux Tortues. Aujourd'hui nous sommes donc à Tropical Reptile, donc à côté de Laval, donc pour ne pas citer la ville précisément où on se trouve. Donc c'est un élevage donc principalement de serpents. De quel pays? Asiatique et australien. À peu près, ouais, à peu près. En grosse majorité. En grosse majorité. Un peu de Péton Régis, puis des terroirs. Pas trop classique, quoi. C'est des trucs qu'on voit pas forcément en bourse ou chez les particuliers. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer en fait là-dedans? Un copain. Jéco Freda. Tout simplement, si tu nous regardes. Hein. Et donc il t'a présenté des serpents. Il m'a demandé un jour si je voulais, puis. Puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Donc, un, et deux, et trois, et puis les élevages. Quoi. Et les espèces, c'est des coups de cœur ou c'est. Ouais, des coups de cœur. Principalement. Il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est pas des coups du moment, quoi. C'est juste vraiment un truc. C'est les couleurs qui t'ont accroché. Sélectionner bien la bête et tout. Ouais. Tu vas nous présenter quelques-unes de tes bêtes, simplement. Donc on va commencer par quoi? Les terrodons. Commençons par les terrodons. Donc là, quelle est cette espèce exactement? C'est les terrodons nasicus. Les terrodons nasicus. Et ça vient dans quel pays donc? Amérique du Nord. Ah oui, donc oui, t'as plus d'espèces australiennes et asiatiques, mais aussi d'Amérique du Nord. Donc. Et ça, c'est quasiment taille adulte. Ouais, quasiment un peu quasiment ou un peu gros quand même. Le doux, on va dire. Ah, puis ça se laisse vraiment bien porté. C'est caractériel principalement ou... Oui. Ouais, très caractériel. Bon, sauf celui-là, bien sûr. Si, il a son petit caractère, là, il est calme. Bon, faut en profiter. Voilà. Donc, Amérique du Nord, principalement. Donc, surtout États-Unis, principalement. Enfin, ouais, États-Unis, ouais. Principalement. Et ça, pour en avoir chez soi, il n'y a donc pas besoin de certificat de capacité. Juste respecter les quotas, hein, de toute façon. Quota de 25, ouais. Ouais. Ah, puis c'est facile. Facile de maintien aussi également. Oui, c'est très robuste comme ça. Ouais, donc ouais, c'est... Ouais, ça a quand même besoin d'être chauffé, je suppose. Comme que les trois quarts de serpent. Oui. Ouais, donc facile à détenir. Bon, pas forcément mettre en toutes les mains non plus, quoi. Pas comme du Régis. Plus facile à élever que du Régis. Plus facile que du Régis? Pour moi, c'est un peu plus facile. Ah, puis ça demande moins de place aussi, je suppose. Ouais, ouais, largement. Ouais, pour moi, l'installation, c'est plus fouisseur quand même. Ouais, donc il faut prévoir une bonne couche de substrat également, quoi. Même couche de substrat, c'est comment tendance à substrat, bon, vu le nez. Ouais, ça soulève la terre, ça se met dedans. Pour creuser. Et pour le nourrir, t'es obligé d'utiliser une technique différente, puisque c'est fouisseur ou juste présente la poix. Je présente la poix et mange. Dès que ça voit, c'est. Après, il faut varier les poids, parce que ça mange aussi un peu d'ophibien. Ah oui. Moi, je ne leur donne que du rongeur. Principalement du rongeur. Bah, principalement du rongeur. Éthiquement parlant, de toute façon, du rongeur, c'est le plus. Plus facile à trouver. Aussi, oui. Certainement peut-être moins cher aussi, au passage. Non, pas forcément. C'est sûr, c'est beaucoup moins bizarre. Ah, bah après, oui, c'est. Oui, voilà, c'est clair que. La nourriture, le prix entre un gecko léopard et ça, oui, c'est clair que c'est totalement différent. C'est pas les mêmes prix, c'est pas. C'est du congelé aussi. On ne donne pas du vent. Non, pas du vent. Congé. C'est mieux de les habituer au congé. Ouais, trois quarts des bêtes n'ont du congé. Ah, ça va, ça se quand même bien manipulé hein, pour un animal dit caractériel. Bah, c'est surtout quand il prise, ça va. Après, c'est pour la prendre. Ouais, c'est le temps que le contact se passe. Quoi. Voilà. Si elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas d'accord, il y a des problèmes. Ok. Ah, bah, ça, c'est. Et ça vaut à peu près combien en termes de prix Ça varie. Entre 65 et 80 euros pour du classique. Ouais. Ah oui, c'est à portée. Ouais, c'est à portée quand même. Voilà, c'est pas non plus. C'est bizarre qu'on les voit moins que du PR par exemple. C'est l'air d'être moins attirant. Hein. Pourtant, il y a des années où on en voyait beaucoup. Puis... Ouais, ça dépend des effets de mode en fait. Voilà, puis, ça a été un peu disparu et puis ça revient un peu à la mode. C'est vrai que c'est. Enfin, moi qui suis pas trop serpent, qui suis plus tortue à la base, c'est vrai que la taille peut être intéressante, et puis la tête, c'est pas une tête forcément. C'est une tête différente des autres. Et puis bon, niveau manipulation, quand ça se laisse manipuler, c'est du bonheur. Voilà. Il tolère, hein, de toute façon. Ah bah, de toute façon, l'animal nous tolère toujours. Hein,
Tant qu'on ne manipule pas, je ne manipule pas. Hein, ils, de toute façon, ils restent dans leur terra. Ouais, quasiment. Bah, c'est mieux pour moi. Juste pour le nettoyage, je veux dire. Juste, ils ne se mettent que pour le nettoyage. Et puis, bah, pour le monde de l'urissage. J'ai quelques petits trucs encore à nous dire sur cette espèce-là ou... Bon, plus, non. Pas plus. Non, pas plus. Après, c'est pas un grand serpent. Quoi. C'est 80 cm en moyenne. Ah oui, c'est vrai que c'est pas. C'est pas énorme, c'est vrai que bah, quand on voit surtout principalement l'ours, on voit du PR ou du bois, machin. Ah oui, non, c'est pas un très grand serpent. C'est assez petit quand même. Petit, facile de maintien, et puis voilà. Malheureusement, pour débuter, un peu oublié des débutants. Ouais, c'était oublié un peu. À part le côté caractériel de temps en temps, mais ça dépend de l'individu. Donc, ouais, c'est comme tout spécimen. Voilà, c'est tout animal peut-être. Mais c'est pas agressif, mais caractériel, quoi. Bien précisé. Voilà. Puis là, c'est eux, ils se laissent vraiment bien faire, donc il n'y a vraiment pas de problème. Ok, bah, on va passer à une autre espèce. Que nous proposes-tu pour la suite? Les élèves de Cophora. Bah, c'est parti. Alors, on va essayer donc avec une autre espèce, donc c'est une espèce asiatique. Espèce asiatique, donc élève climatophora. Climacophora. Je sais pas moi. Bon, on voit qu'elle est assez quand même stressée, un peu, elle est très curieuse bien. Donc ouais, c'est une espèce assez qu'on voit très peu aussi en thérophilie. Taille adulte là ou c'est. Non, juvénile. Juvénile encore bébé. Hein. Et ça fait environ quelle taille adulte? 1m10. 1m10, ouais, 1m10, c'est pas la grosse couleuvre, mais c'est bien aussi pour débuter, hein, c'est pas une couleuvre. Ouais, par le voilà. Côté caractériel qui peut rebuter certains, mais bon, voilà. Après les vrais passionnés plutôt aventureux. En moyenne 1m10, ça fait en moyenne 1m10. Ça peut être plus gros aussi. Hein. Ouais, c'est... Ah, c'est vraiment de jolies couleurs. Donc, Bleuté, vert bleuté. Ouais. Donc ça c'est la classique, c'est ça. Ouais, c'est donc, la classique. Donc, voilà, on va éviter quand même de se faire attaquer, c'est mieux. Voilà. Donc tout à l'heure on montrera la version, donc, enfin la version, la mutation albinos qui est donc aussi dans le terra, donc on montrera directement en plan plus serré sur le maintenant. Tu veux le faire maintenant? Oui. On peut le faire même maintenant, il n'y a pas de problème. Ça va moins stresser. Ça va moins stresser celle-là? Bah allons directement chercher l'albinos. Hein. C'est les plus calmes autant en profiter. Oui, plus calmes, déjà. Les affectages des mains. Les affectages. Toujours. Toujours bien se désinfecter, c'est très important. Hein. Les règles d'hygiène, entre chaque manipulation, qu'on change d'espèce, qu'on change d'individu, dès qu'on change de terrarium, toujours bien y penser, c'est vraiment très important. Alors, la version. Voilà, donc ça c'est la version albinos. Hein. Albinos. Bon, c'est quoi, Elle est un peu plus zen, on va dire. Un peu plus zen. Plus vieille, un an. Un an de plus? Un an de plus, hop là. Ouais, donc ouais, c'est. On voit quand même une légère différence. Mm. Bon, au niveau de la taille surtout, mais pas trop au niveau de la grosseur, je trouve. Non. Après, je les ai récupérés à un copain qui était dessiné. Les classiques. Pour ça, alors, je peux pas vraiment vous dire. Tu peux pas vraiment dire à peu près l'âge. Ils sont du même âge. T'as pas les données qui sont dans. Voilà, exact. Ah, c'est les binos, elle est vraiment belle. Mmh. Un peu plus calme. Un peu plus calme, oui, ça se voit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est des belles espèces. Hein. Voilà. Puis ça, en maintien, c'est tout simple. T'as pu chauffant. Ouais, t'as pu chauffant comme une butte, hein, ouais, tout simplement. Bon, sauf que c'est l'asiatique. Hein. Puis voilà. C'est plus difficile, non, au niveau non, ça, c'est pour manger. Pour manger, bah, c'est. Les asiatiques ont une réputation comme quoi ils ont du mal à manger. Ouais, enfin, surtout les Kenpora, ils peuvent s'arrêter de manger puis reprendre un peu plus tard, ouais. Quand ils ont voilà. Voilà, bon, ils me le font plusieurs fois. Eux. Bon. Bon, mais après, au début, on stresse un peu, mais après, ça bah, va. Quand on sait, fait. C'est pas trop. On sait, oui, on s'y fait après. Faut, bah, quand on a l'expérience, oui. Quand on a l'expérience avec du reptile, oui, ça va. Ah, bah, sur qu'il y a de l'expérience, oui, mais dès qu'on achète un reptile, il faut vraiment de l'expérience déjà pour sentir certains coups. Il n'y a pas forcément. Bah, certaines espèces, il faut savoir avoir de l'expérience sur certaines espèces. Ouais, parce que si on se lance directement et qu'on ne sait pas. Comme la speed test, du bon gosmet, qu'on voit oui, tout à l'heure. Il faut pas. Comme un peu avoir d'expérience quand même. C'est mieux. Surtout le bon gosmet, parce que c'est très caractériel par rapport. Très caractériel, puis surtout l'expérience donc, au niveau des manipulations. Mm. Donc,
Puis surtout que maintenant des formations sont possibles, il y a donc Reptiline, la ferme tropicale, ouais. Et bien d'autres encore, donc voire même des capacitaires. Donc, ouais, les capacitaires, ou même dans les ptellariums, des trucs comme ça. Oui voilà, ils font des formations que sont payantes, ou même si on veut même les vétérinaires, ils peuvent nous aider aussi à certaines manipulations, parce qu'ils connaissent un petit peu. Puis même des amis, même non capacitaires. Oui, les amis qui en possèdent, et qui vont vous montrer les bases de manipulation. Qui ont l'expérience pour ça. Et qui ne voient pas rien pour cette capacité. Voilà, c'est juste une expérience personnelle. Voilà. Une expérience personnelle de manipulation avec les taux horaires pour le certificat de capacité, il faut passer par les organismes agréés, donc voilà. Par des agréés formateurs. Voilà. Là, on va passer au Moros Mai. Bah, on peut y passer, oui, si t'as pas d'autre chose à dire dessus. Non, c'est une petite couleuvre, hein. c'est pas caractériel, non, mais comme on l'a vu, la classique. La classique l'est, mais voilà, pas, ça stresse beaucoup, c'est plutôt caractériel pour défensif. Ouais, défensif, plus voilà, défensif. Défensif caractériel de ce niveau-là, plutôt. Après, ça ne sert pas attaquer pour attaquer, c'est juste par peur, c'est pour défendre. Comme tous les trois quarts des arpents, même tous les arpents, on peut dire. Donc voilà. Ouais, on peut passer au Vanguard Snake, qui ne sera pas le même animal. Un peu plus gros. Ouais, c'est parti. Donc nous voici donc avec maintenant une nouvelle espèce. Donc, les pitons, oui, mais. Ok, donc l'asiatique, donc oui, le Malaisie. Malaisie. Là, c'est une femelle Typus albinos. Donc de 2013, c'est ça 2014-2013. Donc pour notre chez Reptiline. Chez Reptiline. En importé ou en. Importé ou. Non, je crois de chez lui. De chez lui directement. Ouais. Nous l'avons acquis l'année dernière. Elle était beaucoup plus petite, elle a doublé depuis. Ah là, oui, donc bien trapu, bien sûr. C'est différent comparé aux autres qu'on. Voilà. C'est un bon assez caractériel, mais bon, ça nous laisse manipuler, mais bon, c'est des serpents qui n'aiment pas trop être manipulés. Faut reconnaître que. De toute façon, tous les reptiles n'aiment pas forcément être manipulés non plus, ils préfèrent être bon, cela tolère bien, j'ai pas trop de plaintes. C'est vrai que certains, ils se laissent pas manipuler. Après, certains animaux, quand on les habitue pas forcément à les manipuler, alors certains disent que si on les habitue ou pas, ça vient au même, d'autres disent que si on les habitue, il y a un changement de comportement. Là, je pense que ça dépend de l'animal s'il veut bien, si le soigneur aussi également. Après, si c'est vrai que c'est pas. On en voit quelques-uns en bourse, mais c'est vrai que bon, quand on voit Juvenile, on se doute pas que ça va devenir bien. Enfin, on sait que c'est trapu de vue de l'espèce, mais on se doute pas vraiment de à quel point ça va être au niveau de la circonférence. Ça sortait une femelle tenant un peu plus grosse. Qui cesse plus facilement manipuler. Et les femelles sont plus grosses que les mâles, donc. Non. Peu importe. C'est pas tout pareil. Un peu de choses frais. Bon, c'est un autre espèce plus grosse quand même une femelle. Voilà. Après, oui, c'est. Bon, elle se laisse manipuler. Donc, après, on verra donc, avec les adultes hein, si c'est la même chose ou pas. Les adultes sont des classiques par contre. Pas tous. Il y a un mâle ivory, un mâle hétéro-albinos, un mâle hétéro-stripe hétéro-albinos, même super-stripe hétéro-albinos. Et on a une femelle de Sugenapor et une femelle Matrix. Et une femelle albinos qui en va, mais ces deux-là sont en transit. En transit, donc on va essayer de les certains. Le superstrap et albinos et la femelle albinos, c'était plus adulte, quasiment adulte, sont en transit ici. Ouais. Et les autres sont pour la repro à l'avenir. Ouais. Mais le transit des deux autres, je pense qu'ils vont intégrer le groupe définitivement. Ça c'est plus pas tard. Encore sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Ce sera l'avenir qui le dira. L'avenir qui le dira. Donc pour repro, donc bien sûr, par la suite. Ok. Voilà. Bon, donc là, elle fait sa petite vie tranquille. Ça stresse un peu, mais voilà. Après, c'est suivant comme on la prend, si on la met en confiance. Enfin, on met en confiance. Façon de parler. Donc, voilà, commence à se cacher un petit peu. Voilà, ils c'est plus de paix de ce travail, ils se cachent dedans. Ok, donc là on va passer aux adultes. Donc. Voilà. Alors donc nous voici donc sur l'espèce adulte donc du Vanguard Snake, c'est bien ça? Ouais. Donc on voit que c'est bien plus mastoc, bien plus imposant. Ça c'est une femelle de Sugenapor de 2005. Voilà. Un port en NC ou en. Plus en W. En prélevé? En prélevé, oui. En W. Je pense, parce que. Cette femelle-là a eu trois propriétaires avant parce que le problème c'est qu'elle était un peu agressif, on va dire. Ouais, donc ça n'a pas forcément plu aux anciens propriétaires. Ouais. Un peu de
peu de retard de croissance, un petit peu, mais un petit peu de retard un peu plus grosse. Ouais, donc, mais bon, pas de grand chose. Non, pas de grand chose, pas de grand chose. Ouais. Ouais, donc on voit qu'au niveau taille, c'est pas. Ouais, c'est pas. Bah, au niveau longueur, c'est pas forcément énorme, mais non. Niveau circonférence, on va dire, c'est là que ça prend vraiment plus, voilà. plus d'ampleur. Voilà. Ça, c'est. Ça peut encore être un peu pour. Encore plus gros. Voilà. Ouais, donc plus gros, caractériel, donc c'est des voilà. trucs qui peuvent rebuter forcément bah, les débutants voilà. déjà. Ouais, pour un débutant, c'est plus à conseiller ou confirmer. Ouais, personne qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Donc expérience, pas forcément formation, mais au moins expérience ouais, avec du reptile, à la maison. Voilà, ouais, pas forcément du gecko léopard. Non, 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 du serpent mais quand même. Du serpent plutôt caractériel déjà pour ouais, ce truc-là. Ouais, caractériel, plutôt fort. Ouais. Donc, limite, pas un pitorigus. Voilà, c'est pas le meilleur exemple. Non, non, c'est pas le meilleur exemple. L'idéal donc c'est d'être formé donc, avec des capacitaires ou des personnes qui en détiennent déjà pour. Ouais, ou des personnes qui des capacitaires, ou des personnes qui en détiennent déjà. Déjà, parce que c'est vrai que. Pour serrer un peu à l'animal et puis voir un peu quelle bête c'est adulte. Quoi. C'est, oui. C'est... Simplement, c'est pas. Bah, c'est pas. On en trouve quand même en bourse un petit peu, j'ai vu que ça ressortait depuis quelques temps, mais c'est. Bah, c'est pas vraiment tout le monde qui est intéressé aussi. Donc, bah, c'est surtout que ça devient gros. C'est comme le boa, ça devient gros, c'est plus trapu, moins grand, mais c'est plus moins grand, plus trapu, puis mais plus trapu. Il y a le caractère qu'il y a là, quoi. Ouais, il y a le caractère. Caractère qui est toujours bien sûr défensif, hein, c'est offensif. Voilà, c'est faut quand même bien le préciser. Faut préciser que après c'est comme là, c'est calmé, t'es pas nerveux, c'est calmé. Elle voit qu'on lui veut pas forcément de mal. C'est mais un peu en confiance même. Un petit peu. Bah ça reste quand même vigilant aussi l'air de rien. Parce que si c'est du prélevé ça, et que c'est pas trop manipulé, ça garde quand même bah, le côté animal sauvage qui est là aussi. Donc, bah pour du mademoiselle de 2005. 2005 bah, madame. Madame, oui, maintenant, oui. Ça, c'est la majorité, donc madame. Madame. Mais, ouais, ça fait quand même une belle bête de jolies couleurs, hein, l'air de rien aussi. Hein, donc, vraiment très belle. Un bon boudin. Ouais, un bon boudin, on peut dire ça comme ça. De belles séquelles et tout. Donc, Et ça bouge beaucoup plus la journée ou la nuit C'est un peu mou quand même. Ils sont actifs quand même. C'est pas... Ça active, ça bouge d'un coin à un autre. Ça bouge un peu plus quand même. Voilà, ça bouge un peu quand même. C'est pas tout. Ah, puis quand ça tape, ça prend, on va bien le sentir aussi, je pense. Oui. Parce qu'il y a le bout de craque qui est derrière aussi, l'air de rien. Ah oui, quand c'est du muscle, c'est pas rien non plus. Voilà. Donc, pas conseillé bien sûr aux débutants. Ceux qui veulent cuver son premier serpent. Ah, le premier serpent, on va déconseiller. Non, je conseille. Voilà. Donc là, bah, on va le remettre tranquillement, enfin la remettre tranquillement. Voilà. Puis on va passer à une autre espèce. Donc... Bon, bah, là, nous allons commencer sur une autre espèce. Donc, quelle espèce c'est ? La Suidites Ramsay. De quel pays ? Enfin, de Australie. Australie ? Oui, donc tout ce qui est australien, bon, pas venimeux, bien sûr. Pas tous. Pas tous. C'est de la famille des pitons. Oui, mais bon, celui-là est pas. Enfin, c'est pas soumis à CDC. Voilà, donc c'est pas. Parce que tout ce qui est d'Australie, principalement, bah, quand ça te saute à la tronche, tu peux y passer. Hein. Voilà. Donc, parce que c'est un peu plus vif, on a pour un petit crochet, on peut y mettre. Voilà. Ouais, mais c'est plus vif parce que c'est juvénile. Ouais, c'est juvénile, après ça se calme quand même. On verra ça avec la maman tout à l'heure. Oui, avec la maman directement, ah oui, c'est VIP, cette famille. Voilà. Ah, donc là, ouais, une fois, oui, c'est bon. Voilà. Oui, il faut qu'elle voit très bien qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Non, non. On lui veut pas trop de mal. Une très jolie couleur, on a de rien. Le contraste clair, clair avec crème marron. Voilà, ça fait un très beau contraste, même avec la tête orange. Tête jaune orange, oui, ça rend pas trop mal. C'est vraiment une belle chose. C'est des serpents mangeurs aussi. Ah ouais, pas vraiment de problème là-dessus. Non, ils sont mangés directement morts pour du bébé, c'est bien. Oh, c'est pas mal pour démarrer. Ouais. À conseiller quand même des expériences. Ah, pas non plus une grande expérience, mais bon, c'est des serpents. Oui, qui ont un minimum dessus. Un minimum d'expérience dessus. Apprendre à maîtriser surtout le côté caractériel du début. Voilà, bon, là, ça va. Quand c'est juvénile, monsieur. Après, quand c'est adulte, c'est bon, hein, c'est comme tout serpent. Ouh, après, quand c'est plus adulte, ça commence à connaître la personne qui vient nous chercher, des trucs comme ça. Quoi. Mmh. C'est un peu ça. Ils ont point de leurs habitudes, on va dire. Ouais, c'est bah, comme un peu tout. Quoi. Ah. Là, elle se laisse manipuler tranquillement. Moi qui n'ai pas vraiment l'habitude, puisque je suis plus sur les tortues, mais c'est bien, ils me font confiance. Des petits vers de terre. Un petit vers de terre. Pour l'instant, ouais, c'est. Donc, ça, Australie. Pour une fois qu'il y a une espèce d'Australie qui cherche pas à nous bouffer. Voilà. Ni à nous tuer d'ailleurs au passage. Mm-hmm. C'est. Donc, ça, pas de CDC, terrarium tranquille. Terrarium de 1m20 en moyenne. 120-160 Ouais. Même un peu moins en hauteur. Un peu moins en hauteur
Ouais, parce que là, bah, c'est même bien. Moi, j'aime pas trop la hauteur. Ouais, après, ça dépend peut-être de l'individu. Mmh. Hein. Ouais, c'est l'expression générale. Moi, je pars du principe, j'habitue le terrain, pas pour l'espèce, mais pas forcément l'espèce. C'est pas parce que c'est un grand serpent qui va aimer d'être un grand terrarium. Ouais, après, ça peut le stresser, un grand terrarium. Ouais, voilà, ça peut oui, stresser. C'est... Après, faut pas oublier que c'est les serpents, c'est bien dans les endroits confinés aussi. Voilà, on dira toujours que dans la nature, c'est plus grand machin, mais il y a certains serpents qui vivent dans des terriers. Donc, voilà, comme le python royal. Le... Voilà, le python rouge, principalement, c'est surtout le python rouge, ouais. Voilà. Mais donc, qui eux vivent dans les taillés, donc c'est vrai que bah, un endroit clos, c'est pour eux, ça leur va très bien. Voilà. Voilà. Après, les serpents, peut-être comme le Viridis, eux, c'est plus de hauteur. De hauteur, donc, ouais, hauteur. Voilà, ça, après, ça dépend du serpent, du lieu où il vit. Donc, voilà. Et donc, là, ça vit plutôt que dans un terrier ou. Enfin, vu que ça n'a pas besoin de hauteur, c'est pas dans les branches déjà, c'est sûr. Oui. Plus ça ras du sol, mais pas plus forcément. Plus ça ras du sol, plus ça ras du sol. Sous les feuilles, non, je suppose. Dans les forêts, sous les feuilles. Non, pas spécialement, parce que c'est pas. Ça se cache pas forcément, quoi. Ça... Non. Après, je suis pas en Australie, je peux pas me dire. Ouais, c'est. Après, peut-être, oui, c'est. Après, c'est plus désertique, non? Ouais, plus désertique. Plus désertique, les quoi. Les plaines, un peu les plaines. Ouais, les plaines avec très peu d'herbe. Ouais, voilà. Ouais, donc ça, oui, ça se cache pas vraiment. Peut-être... Pas besoin de trop d'humidité. Peut-être près des rochers, peut-être sous les. Les peut-être, ouais, ça peut être à cet endroit-là. Pas trop d'humidité non plus, bah oui, parce que c'est non, désertique. Non, même, ça ne supporte pas trop l'humidité. Ouais, ça risque de. Quand on hiberne, presque, faut enlever la gamelle d'eau. Ah oui, carrément. Et on la met de temps en temps pour qu'il boive quand même. Oui, logique. L'enlever, la remettre. Ouais, après, c'est... Enfin, ça peut risquer les maladies respiratoires. Donc avec voilà, les premiers respiratoires, tout ce qui est premier respiratoire. Et puis là, il faut être très vigilant puis aller très vite. Surtout voilà. Pour une espèce comme ça, c'est dommage. Bah, surtout que c'est une belle espèce, puis bon, après, il doit pas être mignon aussi. Hein, donc. Après, voilà. C'est autant mettre le paquet pour bien pour sa bête plutôt que. Voilà. Voilà. Parce que dire, ouais, j'ai une bête, elle vient de mourir, je vais en acheter une autre, c'est pas. Non, non. Ça fait un peu réflexe de gamin, on va dire ça. Donc, voilà. Autant garder sa bête et puis bien la faire grandir. C'est des espèces qui deviennent assez grandes quand même. Ça, voilà. De toute façon, on verra tout à l'heure avec la mer. Donc, ouais, ça fait jusqu'à 1m80, 2m. Ah oui, ça fait une belle taille. Ouais, 1m50 en moyenne, mais bon. C'est quoi les quotas pour celle-là? C'est. 10 ou. 10? 10, ouais, 10. Si je me trompe pas. Ouais, donc 10, ça va, c'est bon. À moins quand c'est, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'en avoir 10 chez eux à moins de faire un élevage, mais bah, ça peut aller vite si tu fais, vite. Si tu fais si tu prends un coup, tu fais une repro, t'as les bébés. Combien de bébés ouais, par contre? Bah, pour ce compte que j'ai eu, c'était 5. Après, ça peut jusqu'à un peu plus. Hein. Ouais, après, voilà, en deux pompes, ça peut être réglé si on arrive pas, si on fait des petits qu'on n'arrive pas à les oui, élever. Une pompe, voilà, même une pompe, ouais, une pompe. Ouais. Voilà, après, c'est... Ça peut être une pompe jusqu'à 10, 17, je crois. Mais ça, c'est une espèce qu'on voit. À part toi, moi j'en ai pas vu du tout en bourse. Hein, donc, pas beaucoup. Hein. C'est ouais, plus c'est... courant que son cousin. Ouais, après ça dépend. Ouais, celui qui a tête noire, mais. C'est bien dommage, pourtant c'est une belle espèce. T'as toujours des tendances au vieux fâche, il faut faire très attention, pareil. Ah bah. Bien les mettre. Les élever séparément. C'est mieux, de toute façon, pour ouais, toute espèce, lui, c'est mieux. Même pour toute espèce, de toute façon, il faut mieux les élever séparément. Moi, toutes les espèces sont élevées séparément. Ouais, c'est voilà, ils n'ont pas de. T'as moins de problèmes, tu as un meilleur suivi sur l'animal, t'as pas de voilà. Stress, t'as pas de dominance, t'as pas de trucs comme ça. Donc, ouais, c'est. Puis oui, si t'es un animal qui a un problème, tu sais qu'il est déjà isolé, donc c'est voilà. Un peu plus simple à ce niveau-là. D'autres petites choses à nous dire sur cette espèce c'est ou... une espèce un peu quand même pas farouche, curieuse quand même. Ah, curieuse, ça se voit un petit peu, puis oui, on voit sa mère qui fait des folies depuis tout à l'heure. c'est des serpents très bon agréables. C'est vrai qu'agréable, ça se laisse faire, il n'y a pas de. Bon, un peu caractère enfin, quand c'est bébé. Caractériel au début, mais après voilà. Bah, après quand c'est pris dans les mains. Ça, voilà, tu l'as pris direct, tu l'as pris derrière, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Toujours. Moi, je préviens toujours la bête quand je la prends, pour pas qu'elle se trompe, la faire la différence sauf quand elle va manger. Voilà, faut. Et quand elle va. Enfin, quand on dit la tête mère, c'est pas l'oral bien sûr, c'est lui montrer non, par c'est des gestes. Crochet, par exemple. Crochet, c'est voilà, la taquiner un peu pour dire que. Taquiner comme ça, j'accarage, je la préviens, enfin, quand je la préviens, voilà, c'est la mettre en condition. En fait. Voilà, la mettre en condition, jamais voilà. En condition. Elle sait qu'elle va pas manger. Voilà, elle sait qu'elle va avoir de la visite, elle sait qu'elle va être manipulée, elle sait voilà. Voilà, elle sait comme. Si elle doit se mettre en défensif, elle ouais. Si c'est vraiment elle est trop stressée, on referme la boîte. Voilà, on le laisse de côté, elle se déstresse tranquillement. On déstresse tranquillement, puis on y reprend un peu plus tard. Ok. Bah là, donc voilà. On va passer donc, à sa mère, je suppose. Oui, à maman. Bon, bah c'est parti. Elle fait 1m80, maman. 1m80, oui, une bonne bête. Bon, bah c'est parti, on va reprendre la mère. Hop là.
La mère qui est valable depuis tout à l'heure. Voilà. Le crochet pour la prévenir un peu. Voilà, et tu viens. Oh, elle a l'air d'être tranquille aussi. Oui. Hop là. Voilà, c'est le 80 à peu près. Peut-être. Et ça garde quasiment donc les mêmes couleurs que quand c'est le qu'on voit. Enfin, ça s'éclaircit. Au niveau de la tête, ça se voit que ça s'éclaircit. Au niveau des yeux, surtout. Mm. La partie noire des yeux. Bien plus orangé, plus marron. Le crème devient plus orangé, on va dire. Ouais, même au niveau des motifs à la main, on voit très bien, comparé au bébé, que ça se diffuse en quelque sorte. Voilà. Une très belle espèce. Ouais, c'est manipulable. Voilà. Donc dans un terrain de 120, pas 60, mais un peu plus bas. Ouais. 120, prêt. Il faut mieux privilégier l'espace au sol. L'espace au sol. La mademoiselle, elle stresse dans des contériums. Après, il faut s'adapter un peu. Il y a la taille qui est prévue pour l'animal de base, pour l'espèce. Mais bon, et après, il faut s'adapter à l'individu. Surtout, s'adapter toujours aux individus. Bah oui, c'est ça, rien qui tape toujours au cas où. Ah ça vient. Ça, c'est clair. Bon, elle va repasser dans un plus grand terrarium, mademoiselle, madame. C'est madame. Ah bah oui, madame, maintenant qu'elle est maman, donc... C'est pas seulement... Elle a fait combien de pontes en tout, elle? C'était sa première. Sa première ponte? Ouais. Bon, elle a bien travaillé, hein. Elle a bien travaillé. On sent quand même un peu le poids, on sent... Oui, même si tu tiens encore une partie, on sent le poids qui est là. C'est du muscle, on sent c'est ah du oui, muscle. Ah oui, on sent le... Voilà, j'ai pas senti le bronze, mais c'est bon, ouais, c'est un peu... mais je pense que niveau muscle... Mais tu peux pas trop, à peu près, ouais. On va la rattraper quand même. Mademoiselle. Il y a pas là. On voit la différence de taille quand même entre. Ah ouais, tu vois la différence. Bah, entre si tu peux sortir du nid si tu veux. Très bien. Pour faire voir la différence de taille, on va faire attention. Bah là, ils sont un peu plus grands quand même. Il y a des règles d'hygiène quand même un petit peu. Ah bah oui. Si on passe de la maman au bébé, même si c'est la même famille, hein, on change d'individu, on change de bac. On va voir la différence de taille quand même. On va essayer de pas trop qu'ils se bouffent entre eux. Bon, on va les finir un peu en écart. En plus, c'est le but, c'est essayer de faire. Oui, mais on connaît maintenant. Ouais, donc on voit bien la différence. Bon, même s'il est petit. Encore, il va avoir un an celui-là. Il est petit. Oui, il est petit, mais bon, voilà, on voit la différence bébé. Même de couleur déjà. Même de couleur, on voit vraiment bien la différence. Ça, c'est une sacrée différence. Mais il y a la tête qui se ressemble. Les têtes se ressemblent, même si on voit donc la partie noire, comme je disais, au niveau des yeux, qui est plus diffusée sur l'adulte, même au niveau des motifs. Mais bon, après, voilà, ça grandit, c'est un peu normal. Donc, ouais, c'est une belle espèce. Hein, c'est une belle espèce. Donc, pas forcément pour les débutants, mais avec un peu d'expérience. Avec un peu d'expérience. La juvénile, là, ça passe très bien. Bon, encore, moi, c'est que de la manipulation, donc c'est autre chose. On peut commencer, mais après, voilà. Faut quand même bien se renseigner, toujours bien se renseigner. Ouais, alors, pas forcément prendre la première fiche internet qui vient, ça sert à rien. Voilà, mais se renseigner. Après, des personnes se renseigner sur les personnes qui ont du serpent, qui vont pouvoir nous donner quelques petites idées. S'ils connaissent pas l'espèce, ils connaîtront l'esprit des personnes qui en ont. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Sylvain si vous voulez en prendre pour plus tard. D'ailleurs, ce sont des bébés qui sont donc à vendre. Ouais, c'est ça. Donc il y en a combien? 4 en tout, c'est ça? 4, c'est 4 mâles. 4 mâles en plus. Donc 4 mâles à vendre. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à le contacter. On mettra le lien du site et de la page Facebook dans les commentaires de la vidéo. Hein. Comme ça, vous pourrez te retrouver. Ouais, quand même. Un belle bête, ouais. Mais le petit aussi, il est sympa. Il se laisse bien faire. Voilà. Comme ça, on voit bien la différence. C'est surtout voir comment ça va donner une fois adulte. Ah oui, c'est très important, oui, pour pouvoir bien se retourner. Parce que c'est vrai que quand on prend un serpent, on se dit, ah bah il va c'est assez pas petit. Un piton royal, c'est beaucoup plus. Voilà, puis comme on voit dans certaines animaleries, ils ont tendance à dire, ah bah ça va, c'est tout petit tout le temps. Hein. Bah, ils font ça pour les tortues, mais c'est vrai que pour les serpents, il y a c'est pareil pour les serpents. On a même ceux qui s'y connaissent pas beaucoup, forcément. Entre un diplôme de vente et un diplôme sur l'espèce, la différence elle est là. Donc voilà, mais c'est vrai que tout animal grandit, l'air de rien. C'est pas parce que ça reste dans un endroit tout petit que ça va rester tout petit. L'espèce a une telle taille, que ce soit en captivité ou en milieu naturel. Après, il faut s'adapter à la taille. C'est pas du fait qu'on ait un terrain tout petit que l'animal va pas grandir. Ça, c'est important de préciser. C'est assez curieux, ça se balade.
Ah oui, bah, je vois ça avec le petit là. Je vais repartir avec. Hein. D'accord, moi je veux bien. Ouais, mais c'est pas sûr que nous j'ai de la place. On va toujours avoir la place chez soi aussi hein, si on veut l'animal. Oui, c'est très important parce que bon. Ça va l'installer, faut puis savoir quand on part aussi. Faut gérer, bah là c'est tapis chauffant principalement que tu utilises. Donc niveau chauffant. Installation, un terra, c'est de la spade en plus. Hein, ouais, c'est une gamelle d'eau. Voilà. Moi j'utilise pas de cachette parce que bah y a pas de passage chez moi, c'est dans une pièce d'élevage. Et puis voilà. Après on peut mettre des cachettes. On peut mettre des cachettes. Moi j'utilise pas parce qu'il y a pas de passage, il y a rien, il y a que moi qui viens. Voilà, puis toi en plus ça permet de voir où se trouve l'animal également. Ouais, déjà, j'ai un visu tout de suite sur les animaux. Voilà, surtout sur les caractériels, c'est ouais, surtout ça. Mais voilà, c'est, ça ne demande pas forcément énormément en matos. Hein. Non, non, rien. Après, il faut penser à la nourriture qui coûte quand même cher un petit peu. Ouais, pour un maquin, ça va, mais. Une femelle comme ça mangera 250 grammes. Ouais, voilà, donc oui, ça mange quand même bien quoi. Donc après il faut prévoir donc la nourriture, les frais vétérinaires c'est ton jamais hein. Oui bah je viens d'ailleurs sur celle-là hein, déjà. Et quoi exactement? Une pneumopathie. Pneumopathie, ah oui, donc oui, il faut intervenir très vite. Ouais. Soit des piqûres je suppose. Ouais, piqûres. Ouais, donc piqûres, 15 jours je suppose à peu près. Non, 8 jours. 8 jours seulement? Pas d'inhalation à faire sur un an? Non, non, c'est plus non, parce que en fin de compte, je vais avec la veto quand même. Comme elle était on l'avait mis positionné dans un rack. Ouais. À ce moment-là, bah dans un bac comme ici, on chaleur, mettait au niveau du point chaud, on mettait du Vic Vaporum. Et ça faisait une inhalation. Ouais, ça fait une inhalation en même temps. Ouais, je connaissais pas ça. Okay. Ça fait une inhalation, comme ça chauffe pas le chaleur, ça fait une inhalation. Et ça dégage le produit, c'est dans un rack fermé comme ça, je suppose. Donc oui, ça permet de garder le produit. Oui, c'est. Celui sur le serpent, ne pas lui mettre sur le serpent. Et sur 8 jours, oui, pas sur le serpent, mais sur le substrat ou sur la boîte. C'est vrai que ça, le temps, moi j'avais fait ça le temps d'aller, de prendre rendez-vous et d'aller chez le. C'est vrai que ça lui a permis. Ouais, donc t'as fait ça avant le traitement et après t'as eu un traitement de 8 jours suite au passage au vétérinaire. Ouais, donc oui, donc au final ça fait un petit peu plus de 8 jours le traitement. Le temps de prendre le veto et. Voilà, vu que t'as commencé, après c'est les soins que t'as fait avant, c'est par l'expérience. Hein. Voilà, on n'est pas sorcier non plus, on a un peu d'expérience, hein, faut le dire aussi. Moi, c'est Jacob Fada qui lui avait donné cette astuce-là. De poser un saut pencheux du Vic Vaporum. Ouais. Et puis ça a aidé à aller. C'est bien des petites astuces comme ça. C'est une petite astuce, c'est pas l'astuce, franchement. C'est pas l'astuce du siècle, mais c'est le truc qui peut permettre de sauver une vie. C'est vrai que ça permet ça du temps de ne pas se développer. Ça calme les choses. Puis les antibiotiques font grâce. Ouais, puis voilà. Mais c'est bon à savoir. Voilà, si par exemple ça nous arrive, admettons un dimanche et le lendemain c'est un jour férié comme c'est produit récemment, si tu veux faire des soins à l'avance, tu sais que tu as cette technique-là. Sur le point chaud. Voilà, cette technique-là va faire effet. Et puis c'est vrai que ça marche. Ça marche, ça dégage bien les bronches. Ça marche pour nous, pourquoi les bronches, de parler. Ça les dégage bien. C'est une bonne technique. Ça ralentit, on va dire. Ça ralentit l'effet de la maladie. Ça ralentit l'effet. Voilà, c'est juste du temporaire. Et voilà, c'est de 1 à 2 jours maxi, pas plus. Hein. Bon, un peu plus, ça dépend. Si tu t'arrives, le veto ne peut pas te prendre avant 3-4 jours. Oui, mais après, dans les respiratoires, il faut savoir des fois forcer le veto. Parce que souvent, ceux qui nous répondent au téléphone, c'est pas le vétérinaire directement. Il voit pas l'animal, donc il sent pas. Non, c'est un spécialiste NAC quand même. Même spécialiste NAC, il m'est déjà arrivé quand même de forcer un peu le destin pour les miens, parce qu'ils ne sont pas incompétents, loin de là, même, ils ont soigné plusieurs fois mes tortues. Mais quand on sait que c'est une maladie respiratoire, il faut être très rapide et il faut le prendre directement. Et moi j'ai remarqué un. Surtout que pour dire qu'il faut faire la piqûre comme ça. Lundi ou mardi, je ne sais plus, et puis on était samedi, le temps de vivre pour une piqûre. Voilà, après, faut se dire aussi que voilà, bon, le rendez-vous, si c'est un ou deux jours qu'il faut attendre. Attendre. Moi, si ça m'est déjà arrivé qu'il me fasse attendre une semaine pour un rendez-vous, s'il y avait du monde. Oui, bah, voilà, on n'est pas forcément le même. Il faut avoir aussi notre disponibilité mais aussi. C'est comme pour les médecins, pour les humains, il faut être réactif quand il faut être réactif. C'est pas, par exemple, on va pas faire passer quelqu'un qui, par exemple, admettons une petite coupure, comparé à un mec qui fait un arrêt cardiaque. Voilà. Il faut savoir faire les priorités. Voilà, faire les priorités. Et des fois, les vétérinaires, ne voyant pas l'animal directement sous les yeux, n'ont pas ce réflexe de priorité. C'est pas méchant hein, pour eux, ils sont vraiment très compétents, mais il faut des fois forcer le destin. Non, certainement, c'était sur un bon veto, conseil encore de Jacob Fada. Jacob Fada. Il nous regarde encore un peu de gaffe. Il fait un peu de pub, je trouve. Ouais, il va nous voir de l'argent, je crois. Il va nous payer en Jaco, tu vois. Ouais, payer. Un apéro aussi, un apéro. Surtout, ouais. Ok.
Donc bah là, donc on a fini avec tout à peu près tout ce qu'on voulait voir sur les cas de reptiles. On va ouais, passer. Ouais, en fait, après il y a quoi du bois. Voilà, bah ça prend tout. Voyage, ça, un peu de Gecko Lapin, mais on arrête parce qu'on le Gecko Lapin. Le marché est saturé. Donc, même puis, c'est pas pour ça. Il bah, y a Gecko Fada qui habite à côté. Gecko Fada est dans les parages et il fera d'ailleurs. Et dans les parages, on fait de l'Hyrocotophis Porphyraceus Cuxi. On l'écrira tout à l'heure, t'as ce nom. Bah, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué comme nom. C'est du Moralia aussi. Voilà, après c'est. On est varié un peu dans les. Dans espèces, chaque secteur, bah, c'est. Enfin, on va pas dire qu'il faut laisser la place au marché aux autres, c'est pas ça le but. Mais quand il y a par exemple 4 éleveurs, admettons, de Gecko dans un coin, faut pas en rajouter un cinquième, ça servira à rien, ça va saturer. Même pas, c'est pas ça. C'est, de toute façon, on fait ça par passion. J'ai fait tout du Gecko Lopard. Oui, voilà. C'est une page qui se tourne, on va dire. C'est comme Peut-être Guitatus. Voilà, t'évolues sur d'autres espèces moins courantes. Mais j'ai remarqué que chez beaucoup d'éleveurs, ça partait des espèces courantes et ça déviait par la suite. Moi j'ai commencé par de la gutte. Ouais, puis ça finit par du bronquet, c'est totalement autre chose. Voilà, c'est le trip, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que chez beaucoup d'éleveurs, ça démarre sur du classique, du gutte partout, et enfin, de ce qu'on rembourse en fin de compte. Et ça, au final, ça finit par connaître d'autres espèces et ça part vraiment sur d'autres choses. Oui. Donc, et puis il faut un peu varier, je trouve. Même moi qui étais à la base sur que de la tortue, j'ai fini par aller sur du Gecko, du Pogo. Bon, pas forcément pour projet repro, mais au moins par envie. Oui, de toute façon, c'est une passion, faut que ça reste. Voilà, faut pas avoir le côté. Voilà, puis les espèces que tout le monde fait, même si on fait de la repro. On va garder les petits sur les bras aussi, il faut dire ce qu'il y a. On dépense plus qu'on gagne, on va dire. Ah, de toute façon, on gagne pas en élevage. Non, en élevage, on même si on vend ses repos, ça rembourse une petite partie de son dans les frais. Et encore, ça me rapporte. Ça rapporte rien. Donc moi, ça ne me rapporte rien parce que j'investis tout. De toute façon, même plus que moi, je fais plus simple, c'est que toutes les repos que je vendrais, je ne gagnerai rien dessus, tout sera mis en dos à une association. Moi, ça repart tout dans mes bêtes. Voilà, ça permet de financer un peu les La nourriture, projets, la nourriture. L'achat d'une bête, ça peut voilà, c'est l'achat d'une installation, un coup de cœur. Les installations, parce que c'est souvent que moi je modifie mes installations. Oui, puis surtout que là, tu as un petit mur en AirTech, donc c'est l'AirTech, bon, ça pousse que ça vaut quand même un petit peu d'argent, l'air de rien. On va oublier, on va dire. Voilà, même tes thermostats, c'est du look, même si c'est pas du digital, ça vaut quand même aussi un petit billet aussi. Le matériel. Voilà, tout ce qui est matériel, en fait, vaut cher, l'air de rien. Après, pas tout. Tout ce qui est tapis chauffant, ça va. Voilà, tapis chauffant. Le substrat, ça va. Le substrat, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup, donc ils en produisent beaucoup, donc ce qui fait que ça se vend très peu. Enfin, ça se vend très peu. Ça se vend à très bas prix, parce qu'ils en vendent beaucoup. Mais ce qu'ils vendent de moins, ça se vend après plus haut. Après, AirTech, si on achète la marque. On paye la marque. On paye la marque. Voilà. C'est comme les thermostats, on paye la marque aussi. Comme les thermostats Vista, mais bon, la Vista, c'est de la qualité derrière. Voilà, après, bon, c'est clair que AirTech ou Exotera, dont je parlais, c'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas. On paye la marque. Puis c'est pas préparé non plus. Oui, voilà, c'est pas les mêmes types. Mais on a le haut de gamme et puis il y a le moyenne gamme, on va dire. On les repère tout de suite que ceux qui sont moyenne gamme, ça se repère. Mais oui, il y a les bas de gamme. Il y a les bas de gamme aussi. Voilà, il y en a des très bien. C'est pas parce que c'est un bas de gamme qu'il va être moins. Voilà, le prix fait pas tout. Non, c'est pas le prix ne fait pas tout. Le prix ne fait pas tout. Ok, bah là on a fini sur Tropical Reptile, donc on vous retrouvera donc dans le lien de la description, donc le lien de la page Facebook pour aller voir un petit peu, puis ainsi que l'adresse mail, donc Onios Concept qui est aussi Tropical Reptile, donc vous allez pouvoir demander plus d'informations si vous voulez sur les espèces. Et là on va passer sur la partie donc Onios Concept, donc toujours détenu par Sylvain, donc c'est sa boutique de matériel. Donc on va vous présenter un petit peu de nouveautés, un petit peu de matos que tu vends soit en bourse ou en ligne. Présenter un peu le site et puis les futurs projets, comme le showroom. Pour les showroom également, les bourses aussi où tu seras présent et puis l'actualité. Et puis des exclusivités aussi. Des exclusivités matérielles également. Bon, on va les ranger, puis après on passe sur la partie de notre concept. À tout de suite. À tout de suite.